votre muscle. Alors, laisse-moi voir un peu. C'est pas joli. À la tienne, mon vieux. Et on se retrouve pour un nouvel épisode avec notre agent 47. Alors, pour ceux qui ont vu la cinématique ou qui n'ont pas compris ce que disait le mec qui parlait un peu dans sa barbe, le monsieur disait « Putain, t'as l'air mal en point, on va aller trafistoler. » Et il ouvre une petite bouteille, il dit « À la tienne » et il lui verse donc un petit peu d'alcool sur le torse. Et regardons le briefing ensemble avec Diana. Le fils de notre client, Giles Northcott, vient d'être enlevé par Lord Winston et Alistair Beldingford. Le client veut faire libérer son fils et souhaite que les Beldingford, père et fils, soient supprimés. Une partie de chasse sera organisée ce week-end au manoir familial. Les invités vous serviront de couverture. Les domestiques changent souvent et personne ne remarquera qu'il y en a un de plus. Allez-y, faites vos petites affaires, puis évacuez les lieux. Ok, donc tu es Lord Winston, Lord Alistair, libérez Gilles. No problem. En plus, je suis bien payé. C'est nickel. On va y aller tranquillement à travers les buissons. Faut savoir que c'est une mission assez longue. J'ai de vagues souvenirs sur cette mission. Je sais juste que c'est rempli de chasseurs, que leurs tirs font assez mal. Mais de toute façon, notre but c'est de passer discretos. Donc voilà, voilà. On va utiliser nous principalement le bailer. Le bailer. Qu'on utilise à chaque fois. Ok, on va passer à travers les buissons. Faut faire attention, les gardes, ils font leur ronde habituelle. On va essayer de rentrer dans le labyrinthe, et qu'on sera dans le labyrinthe, bon, voilà. Ah, my good man. Fetch me some of our best, eh? Very good, sir. Coming right up. Ok. Donc, ils parlent anglais. On n'a rien compris à ce qu'ils ont dit. Je pense qu'ils parlent de whisky, un truc comme ça. Il me voit pas lui. Putain, il a la berlue hein. Ok. Ouais. Allez, on va passer tranquillement. En fait, cette mission elle est pas véritablement difficile. Elle est juste chiante vu que c'est 100% d'infiltration. Bon, le labyrinthe il est tout simple en fait. Faut juste faire attention pour être dans tous les hitman. Quand c'est trop facile, toujours un système pour te faire chier. Ok. Donc là, c'est parfait. On est infiltré dans la maison. Ok, on va avancer tranquillement. Le seul moyen, c'est de rush. C'est moi qui vous le dis. Ceci, c'est que là, il y a un garde qui va arriver. Est-ce qu'il va me voir? Je sais pas, mais en tout cas, je sauvegarde.
On le sait jamais. Normalement, il ne me verra pas. Ok. Donc, le garde, il va repartir. Et nous, faut qu'on trouve un moyen de passer. Ça, ça va être chaud. Ok. Ok, on a infiltré. Ok. Donc là, nous, on va sortir par là, vous voyez. Faut qu'on passe par là. Et qu'on arrive ici. C'est pas vraiment difficile en fait. C'est pas infaisable non plus. Faut juste que je sois parfaitement. Ok. C'est parfait. On va redescendre par en bas. L'autre s'est cassé. Je peux me permettre de rentrer. Ok. Empoisonner le tonneau de whisky. Remplir le garaffe. Il faut pimenter le whisky. D'accord. Il faut déjà que je récupère le poison. Il me semble. Et ça. Ça faut le trouver. Donc ça c'est tout en haut quoi. Faut que je me casse en haut. Alors on remonte par là-haut. Nickel. Le rez-de-chaussée c'est là. Il y a un garde. Faux. Il y a un garde juste ici. Dès que j'ouvre la porte il y a un garde. Je crois que je vais repasser par en bas. Moi je vous dis on repasse par en bas. Et prêt à commander un autre whisky. Mais putain lui il veut boire que des whisky ce mec. Je pense pas que ce soit la bonne technique. Du coup on va passer par en haut. Ok. Ok. Celui-là a failli nous faire tout rater là. On va te laisser dormir. En fait c'est ma faute un petit peu. Mais j'ai pas besoin de fusil. Du coup moi ce que je vous propose c'est qu'on le traîne là. On va le mettre on va le mettre ici. Ok donc il y avait une porte secrète. Petite porte secrète. Du coup, on va traverser ici. Donc, ni vu ni connu. What's that? On parle tous anglais là, c'est. Un peu casse-couille. Non, là, c'est en descend là. C'est pas là où je veux aller. Putain, c'est... on est vraiment dans un manoir pur british quoi. Who's there? Ok. On s'est peut-être trompé de chambre ou pas. Je sais pas. En tout cas, ici. D'accord, alors lui il a pas aimé que je rentre dans la chambre de sa femme. Ok. Bon, on va refaire la technique qu'on avait fait. Oh lolo. Comment j'ai pu être découvert?
Comment j'ai pu être découvert là? Ah putain, faut que je reste concentré. Si on reste concentré, c'est bon. On va passer tranquillement. Donc là, vraiment, on fait notre méthode, notre stratégie. Bien à nous. Alors. Moi, je vous dis, on va récupérer le costume de l'autre con qui dort là-haut. On rush, du coup, en bas là. Là, on avait rush au début. On redescend. Et alors là, je sais pas après. Je sais pas du tout. On va voir ça de suite. Normalement, là, il va rentrer dans la pièce avec l'autre. Et là, je rentre. Ok, là je rentre. Ok, petit rush. Donc la porte se ferme, vas-y. Hop, on monte tout en haut. On monte dans la chambre de l'autre. Voilà, on récupère son costume. Sans lui, je pense qu'il va dormir un bon moment. Hop. Ça c'est cool. Nickel. Nickel, donc là c'est bon. Ok, ça c'est parfait. What's that? On va voir si c'est dehors. Hey, how's it going? Seen anything? Ah, ok, j'ai pas le droit de passer par là. Bah, c'est pour m'en sortir là. Ok. J'ai pas le droit d'aller là. On a pas le droit d'aller là. Ok. Donc nous, on va essayer de passer par cette porte là. C'est ici au fait qu'on aurait dû se retrouver. Mais c'est bon, là on est costumé. Normalement on nous voit pas. Ou on nous remarque pas. Salut mon ami. C'est tellement grand ici en même temps que... Ok. On va pouvoir passer tranquillement ici. Ok. Ici c'est nickel. Prendre fiole de poison. Ok, on va passer par là. Excusez-moi madame. Là, va t'en prendre sa douche, comment tu veux que je passe? Ok, ma cible elle attend de se coucher normalement. Ça va le faire. Là je vais pouvoir le tuer.
Ah, la petite. Vous rappelez la première personne qu'on utilisait dans le 2? Toujours là. Du coup, là, on va descendre. On va descendre pour le whisky. Excusez-moi, mademoiselle. Je vous dérangerai plus. C'est nickel. Donc là, du coup, on n'a plus qu'à aller. On n'a plus qu'à aller empoisonner le whisky de l'autre, et c'est bon. Et après, aller libérer le fils de Mister. On va aller empoisonner le whisky. Whisky empoisonné, ça c'est fait. Donc là, faut que je sorte et que j'aille dans l'autre baraque. Excusez-moi, monsieur. Là, on va sauvegarder du coup. Donc là, normalement, c'est bon. L'autre, il dort paisiblement. Le deuxième, il va dormir paisiblement rapidement. Et nous, plus qu'à se casser. Sauver l'autre et on se casse. Ok. On va aller par là. On va aller sort d'entrepôt, je pense, et ça doit être là-bas où se situe. Hi man. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont bien fait l'ambiance, c'est qu'on est en Angleterre, ils parlent anglais. Ça c'est cool. Hey you. Tu vois, la grange elle est ouverte là, mais on va passer par une autre porte, par une autre entrée qui est juste là-bas. Ah, il est mort aussi. Je crois qu'il s'est fait empoisonner, c'est bon. Ok. Bon là c'est assez chaud quand même. Là il y a pas mal de gardes. Le libérer ce serait un peu me faire faire sauter ma couverture. Ok. Il n'y a pas de fenêtre avec un garde. Ok. Ok. On va passer tranquillement. Ok, je récupère la clé. Ouais.
Ça pourrait tuer les chevaux. Ça pourrait tuer les chevaux. Ma cible, elle est là. Bonjour mon ami. Ok. On va libérer notre cible. Non. Non, pas déjà. Non. Je vous en supplie. Je suis un Northcott. Mon père est très riche. Pitié. Écoutez, mon père a une très très grosse fortune. Je vous en supplie. Je vous paierai ce que vous voudrez. Pitié. Silence. Votre père m'a engagé pour vous libérer. Me libérer? Oh Dieu merci. Ils allaient me pourchasser. Comme un animal. Comme une bête. Vous pensez pouvoir vous enfuir seul? Oui, j'ai été 3 fois champion de sprint à Oxford. Dieu vous bénisse. Et adieu. Hop, cible libérée. Et nous, on a fini notre petite mission. Du coup, on peut se casser. Putain, merde, les gardes, ils sont revenus. Ok, nous, on va se casser. Tranquillement. Bonjour, mon ami. Nous, faut qu'on se casse, du coup. On va passer par là. Ok, bah la mission, elle a été nickel. On a été silencieux, on n'a pas fait trop de bruit. On s'est pas trop fait voir. Ah, c'est cool. Putain, les Anglais, les riches, ils ont des terrains. Truc de ouf. C'est des terrains énormes. Hein. On fait une petite sauvegarde à la dernière. On sait jamais s'il est à plante et qu'elle essaye de nous buter. Ok, là, il n'y a personne. Normalement, on peut passer tranquillement. Ok. Bon, il y a un petit chasseur là. Bon, voilà. Hein. On l'esquive. Rien de très difficile. On va y aller tranquillement. La patience est une qualité pour réussir dans Hitman. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, pour moi, c'était pas un épisode très facile. Il faut savoir que quand même, je l'ai préparé. J'ai un petit peu analysé la mission et tout ça, pour faire vraiment un épisode de qualité où je fais pas une boucherie, si on peut dire. Et du coup, je parle pas beaucoup sur Hitman 3 parce qu'il y a pas vraiment grand chose à dire. Alors sur Hitman 2, c'était vraiment plus stratégique. Sur Hitman 3, c'est... T'as plusieurs manières aussi de tuer ta cible, mais c'est moins... Voilà, c'est pas le Hitman qui m'emballe le plus. Je vais pas vous mentir. Donc voilà, je fais vraiment cet épisode parce que c'est un épisode. Et qu'on a fait Assassin Invisible, vous voyez, je vous l'ai promis. On l'a réussi, on a gagné un Magnum 500 double, dites-vous. 500 double, c'est pas mal ça. Catégorie, voilà. Nickel, on a tué 0 ennemi, à part notre cible avec un petit pistolet entre les deux yeux. Avec une petite balle entre les deux yeux. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Petit épisode de 22 minutes, hein. Vraiment rapide parce que la mission est rapide. C'est une mission assez longue, mais en la préparant, ça va assez vite. Donc j'espère que cela vous a plu. On se retrouve pour le prochain épisode très rapidement. Sachant que là, je suis à temps de faire des let's play sur Uncharted 4, sur Dragon Ball Xenoverse et sur Hitman. Donc franchement, si vous voyez pas que les épisodes s'enchaînent rapidement, n'hésitez pas à me le relancer. Je ferai le mieux possible. Sur ce, bye!